BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellé sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le BTP Engagé sur Bâti Radio. Numéro spécial parce qu'on est en direct de Batimat, ça y est, le salon qu'on attendait tous depuis 2 ans est enfin là et ça a démarré hier 30 septembre, c'est jusqu'au 3 octobre. Vous le savez, c'est plus de 1200 exposants, 120 000 visiteurs. Dites-moi en commentaire si vous êtes là, si vous êtes venu nous voir. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, vous êtes en train de rater quelque chose, il faut vite corriger le tir. Et moi, je suis super heureux de vous présenter aujourd'hui un sujet qui me tient à cœur, porté par une des plus belles marques françaises, un groupe industriel qui est un des leaders mondiaux dans la motorisation et l'automatisation des fermetures et des ouvertures de l'habitat. On va parler de la stratégie de Somfy pour faire face au réchauffement climatique. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir un invité aujourd'hui, Bruno Barlet, directeur de la RSE pour Somfy Group. Comment vas-tu, Bruno ? Je vais très bien. Merci, Jean-Bernard. Bon, tu as passé un bon premier jour de salon. Comment ça s'est passé ? Bon premier jour. Le lundi, c'est le tour de chauffe. Donc, exactement. C'est encore un peu calme. Mais là, je sens ce matin que l'énergie des grands bâtiments est là. Ah, ça, c'est bon. Ça. Tu en as fait quelques-uns ? J'en ai fait quelques-uns, oui. On peut dire ça comme ça. Bon, super. Bruno, est-ce que tu peux te présenter Somfy en quelques mots ? Bien sûr, donc Bruno Barlet, je suis directeur RSE du groupe Somfy. J'ai rejoint Somfy il y a 8 ans et demi et je suis un vieux routier du bâtiment, si je peux dire, de l'industrie du bâtiment, parce qu'auparavant j'étais chez Legrand. Et donc Somfy, c'est le spécialiste de l'automatisation de tout ce qui s'ouvre et se ferme dans les bâtiments. Mmh. Et notamment le cœur historique et aujourd'hui toujours actuel et mais probablement même futur de l'activité, c'est les systèmes de protection solaire sur les vitrages. Mmh. On y reviendra tout à l'heure, qui jouent un rôle et joueront un rôle de plus en plus crucial dans les bâtiments pour participer à avoir un bouclier thermique été hiver optimisé, mmh, automatisé, puisque finalement la première énergie qu'on devrait considérer sur la planète, c'est le soleil. Tout à fait. C'est une énergie disponible et gratuite tous les jours. Voilà, partout dans le monde. Et donc, une des questions, ça va être comment utiliser le soleil, comment le bâtiment absorbe l'énergie solaire gratuite en hiver et s'en protège lorsqu'elle est excessive en été, par exemple. Exactement. Et voilà, il y a plein d'autres choses autour de ce sujet. Et je suis directeur RSE du groupe depuis 9 mois, mm-hmm, après un parcours plutôt dans les métiers du commerce, de la stratégie, dans différents domaines. Très heureux d'occuper cette position à ce moment-là de l'histoire, parce qu'on est vraiment à un moment de virage qu'il faut prendre vite et bien, parce qu'il y a vraiment urgence. Je suis tout à fait d'accord, on a besoin de tout le monde, des politiques, des industriels, des entreprises, des grosses, des petites, des consommateurs, on a besoin tous de changer, on parlait tous les deux de nos habitudes. Il faut qu'on change vite si on veut atteindre nos objectifs de décarbonation et inverser la tendance. Alors justement, je voulais qu'on parle du réchauffement climatique, parce que on a encore beaucoup de médias et beaucoup de personnes qui pensent que c'est une invention, que ce n'est pas réel. Et alors quand une entreprise avec l'ampleur de Somfy qui communique et qui a une vraie stratégie pour lutter contre le réchauffement climatique, je voulais avoir votre position par rapport à ce phénomène et quelle est votre vision par rapport à ça. Petit clin d'œil, on a Climate Sense avec l'aventurier Christian Clot qui est là pour faire vivre une aventure immersive, pour voir ce que ça serait la vie à plus de 50 degrés. Voilà, quelle est la position de Somfy par rapport à tout ça ? Elle est très claire et elle n'est pas nouvelle. Elle est très claire, elle est que il y a des scientifiques. On estime aujourd'hui qu'à peu près 40% de la population mondiale est encore climato-sceptique. 40%, c'est énorme. Une petite moitié des gens disent « Bon, ce truc-là, est-ce que c'est aussi vrai que ça ? Et est-ce que c'est vraiment réaliste ?» Les chiffres sont simples et très clairs. La concentration d'oxyde de carbone, de monoxyde de carbone dans l'atmosphère, exprimée en parties par million, c'est la façon dont les scientifiques mesurent la densité de carbone dans l'atmosphère, a atteint en 2024 426 parties par million. 426 parties par million, ça ne parle pas au grand public. Ce qu'il faut retenir, c'est 426, c'est le point le plus haut depuis 14 millions d'années. Wow.
Et les carottages glaciaires des pôles, qui sont la seule mesure qu'on puisse faire de l'histoire de la densité de carbone dans l'atmosphère, ont porté sur 800 000 ans d'histoire de la glace et sur 800 000 ans des années passées, hein, 800 000 ans en arrière, la densité n'a jamais dépassé 300 ppm. Et elle a oscillé entre 200 et 300. Donc l'histoire de la planète, l'équilibre chimique de la planète est bouleversé par nos émissions de carbone, qui sont complètement folles. On a perdu le contrôle de la machine. On a fait n'importe quoi, il faut se le dire, depuis à peu près un siècle ou presque deux. Et donc, il faut. On peut se dire, il y a 30 ans, 40 ans, lorsque le GIEC a été créé, on n'était pas conscient, on ne savait pas. Aujourd'hui, les faits sont là. Le réchauffement, il a allègrement dépassé 1 degré par rapport aux températures pré-industrielles. On est en train de bientôt friser les 1,5. Donc, il y a une véritable urgence. Donc, SOMFI est totalement mobilisé là-dessus. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Dès 2015, SOMFI a créé Act for Green, qui était son label d'éco-conception, pour utiliser des matériaux dans de bonnes conditions, limiter son impact et réduire la consommation d'énergie de ces produits, puisqu'on fait des moteurs, notamment, qui sont alimentés en énergie électrique. Et donc, on a fait déjà cet effort d'éco-conception. Aujourd'hui, 70% pratiquement de nos produits sont labellisés Act for Green. Et on va continuer. On a un plan, on y reviendra tout à l'heure, extrêmement ambitieux pour réduire notre impact et contribuer positivement. Et la difficulté, les gens, s'il y a encore des climato-sceptiques, c'est que c'est un peu effrayant. L'humanité se retrouve face à une situation inédite où elle se dit potentiellement, on nous explique que notre avenir est potentiellement en danger. Bon, voilà, c'est très inconfortable. Et pour autant, on a envie de continuer de voyager tout le temps aux quatre coins du monde, de ne pas changer sa consommation, de ne pas changer ses habitudes. Il va falloir changer. Il va falloir changer beaucoup de choses. Okay. Le changement, c'est inconfortable, mais en même temps, je trouve que c'est grisant d'inventer un nouveau monde. Tout à fait. C'est passionnant. Tout à fait. On parlait des habitudes il y a quelques années, on fumait partout. Exactement. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Qui imaginerait aujourd'hui fumer dans un restaurant ou au bureau ou dans sa voiture ? Éventuellement, dans la voiture, il y en a quelques-uns qui font encore, c'est un espace privé, mais fumer au bureau. J'ai vécu des réunions avec des fumeurs autour de la table. Ça paraîtrait complètement fou aujourd'hui. Des exemples, il y en a 1000 exemples de changements qui nous paraissaient peu probables parce qu'inscrits dans nos habitudes et qui s'opèrent. Qui imaginait, encore avant 2022, la guerre en Ukraine, qu'on pouvait baisser de 10% la consommation d'énergie en France, en un an. 10% en un an, c'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien, tout le monde l'a fait, ça a fait mal à personne. Et donc, c'est possible. Et donc, on va continuer. Super. Merci Bruno. Quel est le plan d'action de SOMFI, alors, pour endiguer ce réchauffement climatique? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place qu'on peut partager aux personnes qui nous regardent, qu'ils soient industriels, professionnels ou consommateurs? Alors, avant de rentrer sur les solutions de SOMFI, je voudrais donner 2-3 chiffres. Bon, évidemment, tout le monde l'a compris, s'il y a le camion Climate Sense à l'extérieur, c'est pour faire vivre aux gens l'expérience de la température estivale, d'une température estivale différente. Le GIEC a annoncé avant-hier que potentiellement, si on laisse aller la trajectoire actuelle, en 2050, il fera 50 degrés à Paris. 50 degrés à Paris, là, Porte de Versailles, ça change un peu la ville quand même. Ouais. Le bâtiment, c'est 37% des émissions de carbone. Et c'est 37% donc, des émissions de carbone totales de la planète. Donc le secteur du bâtiment, c'est énorme. Et donc ce carbone du bâtiment, il est fait pour moitié, une petite moitié ou une grosse moitié, selon que l'énergie est plus ou moins carbonée sur le cycle de vie. Une petite moitié sur les matériaux qu'on met dedans, le béton, les vitrages, tous les équipements, et puis une autre plus ou moins grosse moitié sur l'énergie qu'ils consomment dans le temps. Donc, il va falloir faire les deux. Pour faire du bâtiment à carbone, il va falloir écrouler le besoin de carbone pour faire les matériaux, et il va falloir écrouler complètement la consommation d'énergie sur le cycle de vie du bâtiment. Et un bâtiment, en moyenne, ça vit 80 à 100 ans. Parfait. Donc, déjà, la première chose qu'on fait chez SOMFI, c'est que tous nos produits sont garantis 5 ans, ce qui n'est pas le standard quand même dans l'équipement du bâtiment. La plupart des produits sont encore garantis 2 ans. Donc on a dit il y a 3-4 ans, on veut garantir tous nos produits 5 ans. C'est un engagement de pérennité des équipements. Pour éviter de changer quoi? Pour éviter de changer trop. Deuxièmement, pour écrouler les consommations d'énergie, on a une feuille de route très ambitieuse sur l'abaissement des consommations de nos moteurs.
un moteur électrique, dès lors qu'il est alimenté par le réseau d'énergie électrique, il consomme en permanence, 24 heures sur 24. Il a une petite consommation à bas bruit. Ah, je croyais qu'il marchait que quand on l'activait. Alors, il marche, il consomme quand on l'active, mais il a une petite consommation résiduelle en veille, permanente, qui lui sert à s'enclencher, à fonctionner au bon moment quand on lui lance un ordre, notamment s'il est piloté par un système de commande à distance radio ou autre. Et donc, on va écrouler ses consommations en veille. Et ça, c'est un plan sur les 3-4 années qui viennent, pour réduire massivement, puisque finalement, sur un cycle de vie de moteur d'une quinzaine d'années, on les garantit 5 ans, on estime qu'ils durent 15 à 20 ans. Mmh. Sur ces 15 à 20 ans, les deux tiers de l'énergie, elle est sur le cycle d'énergie, sur l'usage en fait. Hein, oui, tout à fait. Sur l'énergie consommée. Donc on va travailler à fond sur cet abaissement des consommations. Le deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est la longévité de nos produits. Mmh. Je donne un exemple. Il y a un fort développement en France et bientôt, plus ou moins partout dans le monde, de moteurs alimentés avec des batteries. Mmh. Les batteries sont au cœur de toute la transition énergétique, puisqu'on va faire des voitures avec des batteries, des équipements domestiques avec des batteries, des moteurs de volets roulants avec des batteries, etc. On met des batteries partout. Il y aura d'ailleurs une certaine limite à ça. Il va falloir recycler les batteries parce qu'on n'aura jamais assez de matériaux pour faire tout ça et renouveler tout le parc automobile avec des batteries. C'est physiquement impossible. Mais donc, ce qu'on fait, nous, c'est que jusque-là, on a annoncé une durée de vie des batteries pour 8 ans. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on avait fait il y a 10-15 ans quand on a annoncé les premiers moteurs. On avançait un peu dans l'inconnu, on ne savait pas où on allait. On a annoncé 8 ans de cycle de vie. On a fait des études récemment qui démontrent qu'on va probablement pouvoir porter à 15 ans ce cycle de vie. Donc on va pratiquement doubler la longévité de nos batteries. Et ça, il va falloir le faire pour tout. Étirer le plus possible, réparer, faire durer les équipements. Mais ça ne fait pas moins de business de se dire... Ça transforme le business. Ça transforme le business. C'est-à-dire qu'on va, demain dans un monde du bâtiment qui sera plus circulaire et moins... moins vertical. On a fait un monde où on prenait des matières premières, on les transformait, ça fait du carbone tout ça, on les mettait sur le marché et le bâtiment en fin de vie, la plupart des équipements et des matériaux qui étaient intégrés dans un bâtiment étaient détruits et beaucoup pas recyclés. Tout à fait. Et on en parlera tout à l'heure avec VK, je crois. Exactement. Recyclage de la fenêtre. Bon, moi, le jour où j'ai compris que quand même on avait été assez fous pour autoriser la mise en décharge sous des tonnes de terre, de fenêtres avec vitrage et profilés, franchement, on touche à la folie. Ah, c'est pareil pour tous les matériaux, malheureusement. On est juste devenu un peu fou. Mm. Donc je pense qu'il est temps de retrouver le chemin de la raison, d'utiliser moins de matériaux, d'imaginer des modèles circulaires, de réparer plus, de faire durer, d'adapter pour réduire notre impact. Et c'est possible. Et on transforme le business sur du serviciel. Voilà. Sur et le business va être beaucoup plus à améliorer l'existant, transformer, adapter, améliorer en permanence, en consommant moins et en faisant durer les bâtiments et les équipements plus longtemps. Il y a de gros enjeux aussi d'automatisation, de pilotage de la maison. Si on ne ferme pas ses volets, on va chauffer pour rien. Si on ne les ferme pas quand il fait chaud, on va climatiser pour rien. On va consommer de l'énergie et donc du carbone sur cet aspect-là. Qu'est-ce qui fait déjà beaucoup ? Quelle est la suite, Bruno ? Alors, en gros, ce que disent les scientifiques, c'est que le changement en cours du climat va déporter sur les hémisphères sud et nord d'à peu près un millier de kilomètres en 2050 les températures. Ça veut dire, si on se met en Europe, Bruxelles devrait expérimenter des pics thermiques d'été comparables à ceux de Montpellier et Barcelone. Londres aussi. Donc, tant qu'il n'y avait pas de problème de surchauffe estivale, il n'y avait pas de problème avec la fenêtre. Parfait. On pouvait se contenter d'un rideau, d'un petit store, éventuellement. On avait quelques jours un peu chaud, mais tout ça restait gentil. J'ai vécu à Londres, il n'y a pas de volet, effectivement. Voilà. C'est supportable. Mais si Londres prend 10 ou 15 degrés certains jours d'été, et un plus grand nombre de jours, ça devient difficile. Notamment pour les personnes âgées, notamment la nuit. Voilà, le jour, la nuit, le cycle de la température. Tout ça est amplifié aussi par le fait que, comme on a beaucoup urbanisé et qu'on a beaucoup artificialisé les villes, elles stockent plus la chaleur. Cette chaleur est restituée la nuit. Et donc, ça crée ce qu'on appelle l'effet îlot de chaleur qui fait que, en gros, s'il fait 35 à la campagne, il fait plutôt 38-39 en ville. Et donc,
Il y a trois enjeux clés, je crois, et c'est, en tout cas c'est ce que publient tous les gens qui ont étudié en profondeur le sujet. Déjà, arrêter l'artificialisation, revégétaliser les villes. Priorité absolue. Deuxième priorité, isoler les bâtiments beaucoup plus pour qu'ils soient plus, qu'ils aient plus d'inertie thermique et qu'ils réagissent moins vite, qu'ils amortissent un peu le choc. Troisième priorité, protéger les vitrages. On a besoin des vitres parce que c'est de l'apport de lumière. Les bâtiments ne seraient pas vivables sans vitrage. Donc, comme on passe 80% de notre temps dans les bâtiments pour vivre ou pour travailler, il y a des vitres, il faut protéger les vitres. Il va falloir protéger tous les vitrages avec des systèmes de protection solaire adaptés. Ça peut être du volet, ça peut être du brise-soleil, ça peut être du store-toile. Il y a X solutions. Il faudra probablement en inventer avec toute notre filière, inventer de nouvelles solutions encore plus faciles à poser, à intégrer dans des bâtiments qui n'ont pas été prévus pour ça. Exactement. Parce qu'en Grande-Bretagne, il n'y a pas d'alimentation électrique sur les murs. Aux Pays-Bas non plus, il y a des fenêtres et il n'y a rien pour alimenter. Donc il faut qu'on imagine, là aussi, les solutions autonomes sur l'énergie solaire peuvent être très pertinentes. Et qu'est-ce que ça permet de faire, notamment cette protection des vitrages? On estime que selon le type de bâtiment, c'est minimum 10% d'économie d'énergie. C'est ça. Et ça peut atteindre 20 voire 30% selon les bâtiments et leur emplacement et leur niveau de performance. On sait tous que le bâtiment, il n'y a pas un bâtiment qui ressemble à l'autre. On est tous, c'est pas standardisé le bâti. Donc c'est très contextuel, c'est très local, mais le potentiel d'économie et de confort apporté par cette automatisation des protections solaires est massif, tout à vraiment fait. Massif. Et alors quels sont les challenges pour y arriver? Tu parlais de filières, voilà, il y a ceux qui fabriquent les matières premières que vous utilisez, il y a les installateurs qui prescrivent et installent les produits dans la RSE, voilà, il y a tout un enjeu autour de l'écosystème par rapport à ce challenge. Comment vous voyez les choses? Je pense que là, on est dans le moment où la prise de conscience accélère. J'étais impressionné en faisant un premier tour hier sur Batimat de voir à quel point la tonalité des messages de tous les industriels a changé. Donc la prise de conscience, elle est là quand même de plus en plus forte. Donc je pense que cette première étape-là est en train d'être atteinte, d'être faite. La deuxième, je pense, priorité, il peut y avoir le choix des mauvaises solutions. Par exemple, il fait chaud, je mets un climatiseur. Eh oui, c'est ça. J'ai rien contre les fabricants de climatiseurs, c'est pas ça le sujet, mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Avant d'avoir mis un climatiseur, assurons-nous qu'on a bien isolé et bien protégé du soleil. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. La priorité numéro un de tout, c'est sobriété. Faire avec le moins possible. Le moins possible de matériaux, le moins possible d'énergie, le moins possible de tout. Et donc, il va falloir s'habituer à cette logique de penser sobriété. Faire avec le moins de surface, faire avec le moins de matériaux, faire avec le moins d'énergie possible pour limiter notre impact. Ce qu'on a aussi parfois du mal à imaginer, c'est l'impact sur la planète qu'a eu l'accroissement de la population. On est en 2024, on est 8 milliards. Il y a un siècle, on était 2 milliards. Donc on a fait x4. C'est énorme. Voilà, la population mondiale a fait x4 en un siècle et elle a explosé son niveau de vie et son rythme de vie à tous les points de vue. Donc voilà, je crois que l'équation, elle est simple. Il faut juste serrer les freins très vite et inventer de nouvelles façons de vivre, de construire, de rénover, d'habiter. Voilà, le champ des choses à faire est colossal, mais sur le bâtiment, c'est assez simple. Isoler, protéger les vitrages, écraser les consommations. Il y aura une consommation résiduelle, évidemment. Elle sera électrique, le plus possible décarbonée. Aujourd'hui, dans le monde, encore 60% de l'énergie électrique est faite avec du carbone, charbon, gaz. Il va falloir arrêter cela aussi. Voilà, ça c'est à la fois ça paraît presque inaccessible et en même temps, pas à pas, si on est méthodique, on va le faire. On va y arriver. On va le faire. Super. Si on ouvre un peu au niveau RSE, dans sa globalité, quels sont les grands axes de votre feuille de route RSE? Alors, on a quatre chantiers prioritaires, quatre domaines d'action. Le premier, c'est notre stratégie carbone-climat. Divisée par deux d'ici 2030, notre empreinte carbone en intensité, c'est-à-dire à iso-volume, par moteur vendu. Si aujourd'hui on émet 100, demain on veut émettre 50. Très bien.
première priorité. Ça, c'est d'ici 2030. Et après, on va continuer. Donc, ça, tout, dans cette stratégie carbone, il y a ce travail sur les consommations d'énergie, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'empreinte carbone, ce n'est pas que l'énergie que consomme le moteur, c'est aussi les matériaux qu'il utilise. Bien sûr. Donc, c'est un travail sur l'énergie consommée sur le cycle de vie et les composants, les matériaux utilisés dans sa fabrication. Il y a vraiment ces deux composantes. Un tiers du carbone est dans les composants et les matériaux utilisés et les deux tiers dans l'énergie consommée pendant 15 ans. Le deuxième chantier, il est humain. Pour nos équipes et pour l'écosystème qui nous entoure là où nous travaillons, en France et ailleurs. Il y a 20 ans, on a créé la fondation Somfy. Somfy était un peu précurseur à l'époque. Il y avait assez peu de fondations dans les entreprises du secteur du bâtiment à l'époque. Cette fondation, elle s'est dans un premier temps polarisée sur l'aide au mal logement à travers notamment la création du fonds de dotation Les Petites Pierres qui a été créé il y a 10 ans et qui collecte de l'argent, du crowdfunding. C'est une plateforme de crowdfunding qui collecte de l'argent pour aider des associations qui montent des projets d'habitat pour des gens en difficulté. Donc là, moi, Eldo ou Jean-Bernard, je peux faire des dons pour Les Petites Pierres pour faire de la rénovation Absolument. Okay. De la rénovation à vocation sociale. À vocation sociale. Pour des projets portés par des associations qui se battent pour toutes sortes de gens en situation précaire qui ont besoin de mieux habiter. Et la Fondation ne se concentre pas là-dessus seulement. Elle a aussi un rôle environnemental. Elle a un rôle dans l'engagement des salariés de Somfy. Donc Somfy, c'est à peu près 6000 personnes. L'année dernière, 10% de nos effectifs, 600 personnes, se sont engagées dans des journées solidaires. Génial. On autorise nos équipes à prendre une journée par an, jusqu'à 3 jours par an, pour aller donner du temps pour des associations à l'extérieur qui vont protéger l'environnement, aider les gens, faire du social. Parce que l'entreprise, elle fait partie aussi d'un écosystème. On peut pas... Une entreprise, ce n'est pas hors sol. Une entreprise, c'est des gens qui travaillent et vivent autour. C'est des jeunes bien formés dans des bonnes écoles. S'il n'y a pas les bonnes écoles, on n'a pas les jeunes bien formés, on n'a pas les équipes au bon niveau. C'est tout un écosystème. Donc, pour qu'un pays fonctionne bien, l'entreprise doit aussi prendre sa part à la vie sociale. Et ces actions-là ont un rôle clé à jouer dans l'engagement collaborateur, dans le recrutement. Absolument. La filière des gros enjeux de recrutement a du mal à attirer. Et j'ai interviewé Jean-Benoît Zachary, qui est menuisier, qui est très actif d'un point de vue recyclage. J'ai vu cette interview qui est super bien faite. Voilà, qui est super. Et il disait que lui, le premier bénéfice de l'engagement de son entreprise, c'est pour recruter des poseurs. Bien sûr. Je ne connais pas une entreprise du bâtiment qui n'a pas besoin de recruter des poseurs. Donc, c'est clair. À tous les niveaux, c'est important. C'est très important. Et puis, moi, j'ai commencé à bosser dans les années 80. Fin des années 80. À l'époque, on ne se posait pas ces questions-là. Ah ben non. On était, je bosse, voilà, c'est mieux si je m'éclate. Je gagne de l'argent, voilà. Et puis, accessoirement, je gagne de l'argent. Ce n'est pas tout à fait négligeable. Mais on ne se posait pas les autres questions. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes se posent d'autres types de questions. Ouais. Que fait cette entreprise? Est-ce qu'elle est responsable? Sur quoi elle s'engage? Quelles sont ses valeurs? C'est quoi la culture? Et donc, ça, moi, je trouve ça super, parce que ça veut dire que les jeunes, ils ont une conscience beaucoup plus développée, beaucoup plus forte du sens de ce qu'ils font, quoi. Exactement. Et puis de leur avenir. Notre deuxième chantier, c'est people, c'est les gens, la fondation, nos équipes, l'engagement de nos équipes pour le bien commun. Notre troisième chantier, c'est, j'ai dit, il y en a quatre. Notre troisième, c'est investir dans des entreprises, des activités qui réparent, maintiennent les équipements de protection solaire. Donc, il y a 3 ans et demi, on a pris une participation au sein de Reparstore, comme tu le sais. Tout à fait. Et puis, il y a un peu plus d'un an, une entreprise néerlandaise nous a rejoint, qui s'appelle De Haan Westerhof, qui est au nord des Pays-Bas, qui est un peu sur le même métier, mais adapté au bâtiment tertiaire, qui répare et installe, parce qu'elle fait les deux, mais elle fait plus du tiers de son activité dans la réparation des protections solaires dans les bâtiments hospitaliers, EHPAD, bureaux, etc. Et donc, pourquoi on s'engage dans ce chemin de la réparation? Parce qu'on pense qu'on doit prendre notre part à amorcer ce mouvement vers une économie plus circulaire où on n'est plus dans « je consomme des matières, je fabrique un produit, je le vends, il est installé, éventuellement le prédécesseur est parti à la poubelle, on ne sait pas trop où, mais on va allonger le cycle de vie, réparer, faire durer, utiliser moins. » Et je pense que ça va être une évolution de tous les métiers, des entreprises du bâtiment, que de faire cela demain. Tout à fait. Donc développer ces activités de service. Et puis, quatrième et dernier
message important que je voulais te passer de notre feuille de route, et c'est pas le moins important, c'est probablement même le plus difficile, le plus ambitieux pour nous. Nous voulons participer à une mobilisation de notre filière industrielle, de la protection solaire, de tous les fabricants de stores, de volets, de brise-soleil, de store-toile, de screen en Europe et ailleurs dans le monde, pour qu'en filière on s'organise. On a une organisation professionnelle qui s'appelle European Solar Shading Organization, qui stimule partout en Europe, hein, des fédérations professionnelles de notre industrie pour positionner la protection solaire comme primo solution au bâtiment bas carbone, pour réduire demain, dans un climat plus chaud, la consommation et le besoin d'énergie dans le bâtiment, notamment en hémisphère nord, entre mai et octobre, il faudra protéger les vitrages. Et donc, on a un super job à faire pour participer à ça. Et donc, réduire le besoin d'énergie. Sobriété. Et toute l'industrie doit se mobiliser là-dessus. Ça veut dire que il faudrait pratiquement que tous les installateurs et tous les fabricants puissent proposer un catalogue de solutions de plus en plus large de protection solaire pour s'adapter à toutes les configurations. En France, on a une culture du volet roulant. On a développé le volet roulant, super, très bien. Mais il n'y a pas que le volet roulant. Il y a plein d'autres choses possibles. Et donc, il faut ouvrir le champ des possibles. Écoute, Bruno, c'est la phrase que je retiendrai. Il faut ouvrir le champ des possibles. Il faut changer. Il faut aller vers plus de sobriété. Il faut faire ensemble. Merci beaucoup d'être venu sur l'émission Le BTP Engagé sur Bâti Radio. C'était vraiment un plaisir. Somfy, là, sur le salon, on peut vous retrouver où ? Il y a des choses sur lesquelles tu veux communiquer ? Hall 5. Tout ce qu'on vient d'évoquer là est mis en scène sur notre stand. Et notamment deux exemples. EMI, A-M-Y. EMI, qui est notre nouveau point de commande pour les ouvrants, volets et stores, un point de commande mural qui mesure la température intérieure en permanence et qui va pouvoir tout seul automatiser la fermeture, parce qu'il va mesurer la dérive thermique, il va mesurer le delta température dans la pièce, pièce par pièce, et il va actionner la fermeture si ça monte trop vite en été, qu'on soit là ou pas. Donc ça veut dire qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière. Absolument, ouais. Il y a un algorithme à l'intérieur qui mesure la dérive de température et qui actionne la protection solaire même si on n'est pas là. Voilà. Alors bien sûr, on peut le désactiver si on souhaite le désactiver parce que l'utilisateur a la main, mais on peut automatiser. Ça, c'est extrêmement simple, c'est très accessible en prix, c'est pour tout le monde. Demain, c'est disponible. EMI. Et puis on propose aussi une nouvelle solution pour les bâtiments tertiaires qui s'appelle Animeo Suite, qui est super bien pensé pour aider les bâtiments tertiaires, écoles, commerces, hôpitaux et autres, à piloter les protections solaires, là aussi pour le confort des occupants, et la sobriété énergétique. Moi, j'ai envie de lancer un challenge. Notre industrie de la protection solaire, elle peut casser 20% du besoin énergétique du bâtiment. Donc organisons pour casser 20% du besoin énergétique, parce que dans un monde demain où tout va devenir électrique, il n'y aura pas assez d'énergie électrique pour tout le monde. Il va falloir écraser le besoin. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup Bruno d'être venu. Je te dis à très bientôt. Merci d'être venu sur le BTP Engagé. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présenté par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio.